jour ça. Je dis en ce vendredi, vendredi 27 septembre 2024. Et m'a fait visiter ça dans nom force résistance vivre ensemble en famille et alliés main et tout. Il fait vidéo ça pour nous féliciter parce que nous-mêmes haïtiens et l'en pas au monde, l'en gè problème au monde, même si nous n'en font bagaille qui bon et nous pas jamais voulez féliciter parce que depuis gè tan raï moun nan nou raï net. Et moi veux que tout le monde connaît que vivre ensemble force résistance vivre ensemble en famille et alliés main et tout et nous pas dans CPTA et nous pas gagné pour nous avec CPTA. Mais cependant, les grandes actions qui font, qui bon, faut que nous applaudissions. Même si on a un scandale de corruption qui a couru, nous condamnons, nous prenons position, nous pensons aujourd'hui, nous vivons ensemble, nous avons félicité conseiller, président et Edgar Leblanc. Nous félicitons président, conseiller Edgar Leblanc pour le discours à que l'été gagné dans la 79e Assemblée Générale de l'ONU. Côté que, ils font un discours qui est digne de un petit Dessalines. J'en ai toujours dit là, ce n'est pas bluffer contre petit Dessalines. On a parlé de bon petit Dessalines, moun qui remet Haïti, moun qui pote Haïti dans le cœur. Encore une fois, nous félicitons le président conseiller et Edgar Leblanc pour bel discours ça et que l'y fait et que nan non peuple haïtien et détail yo pas important pour nous et c'est ce problème ça nous vient comme peuple nous pas jamais focus nous sur ça qui est essentiel là c'est problème ça nous vient comme peuple nous pas jamais focus nous sur ça qui est important c'est toujours détail petit tripotaille petit zin qui intéresse nous je dis en question conseiller président a pour un bagage clos pour le bois li la gueule sou li ça va arriver tout le monde ça va arriver tout le monde ça qui est important nous même nous pas ouais pour gloire qui tomber pendant conseil président d'ABC là nous aller dans discours là nous aller se étendre discours là nous aller se comprendre discours là et gen moun gen idéologue qui zanmi nous gen universitaire qui zanmi nous gen professeur université qui sont nous qui analysent discours là avec nous qui ouais son bel discours et que qui dit discours ça mérité pour nous féliciter pour reste détail et yo pas important pour nous nous seulement te voulons féliciter président conseiller Edgar Leblanc pour discours ça nan non force résistance vivre ensemble en famille et alliés Maïmoun, Maïmoun tout. Jimmy Chéris et Barbecue, président et porte-parole, force, résistance, vivant sa ma famille et allié Maïmoun, Maïmoun tout. Encore une fois, félicitations, monsieur le conseiller président. Excellence, monsieur le président de l'Assemblée générale, monsieur le secrétaire général des Nations unies, Excellence, mesdames, messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames, Messieurs les chefs de délégation, distingués délégués, chers compatriotes, j'ai l'immense honneur de représenter ici à la tribune de l'Assemblée générale des Nations unies, à un carrefour particulier de son histoire, le peuple haïtien, digne et fier, qui malgré les tempêtes de tous ordres, a toujours su se relever. Première République noire du monde, Haïti porte dans ses entrailles la fierté d'une lutte héroïque pour la liberté et la dignité humaine. Elle se trouve aujourd'hui à un carrefour décisif. C'est donc avec le poids de cette histoire et l'espoir d'un avenir meilleur que je m'adresse à vous en appelant à la solidarité agissante de la communauté internationale. Permettez-moi tout d'abord d'adresser mes chaleureuses félicitations à vous, Son Excellence Philémon Yang, ancien Premier ministre du Cameroun, pour votre élection en tant que président de cette 79e session de l'Assemblée générale.
Haïti se tient fermement à vos côtés et vous assure de tout son soutien tout au long de votre mandat afin de faire de cette session un succès pour l'ensemble de la communauté internationale. Qu'il me soit permis aussi de saluer l'excellente qualité du travail accompli au cours de la 78e session par votre prédécesseur, Son Excellence M. Denis Francis de Trinité et Tobago, qui a su conduire les travaux avec dextérité, sagesse et leadership. Je saisis également cette occasion pour exprimer au nom du peuple haïtien toute notre gratitude à vous, Monsieur le Secrétaire général Antonio Guterres, pour votre visite en Haïti, votre présence sur notre sol et votre soutien indéfectible à notre démarche auprès du Conseil de sécurité, notamment pour renforcer la police nationale d'Haïti. Vos récentes interventions en faveur d'Haïti ont été vivement appréciées et resteront gravées dans nos mémoires. Je tiens à exprimer ma plus profonde gratitude à la communauté internationale pour le soutien apporté à mon pays en ces temps de crise. Cette solidarité, qu'elle se manifeste à travers des initiatives de sécurité, d'aide humanitaire ou de soutien au développement, est grandement appréciée. Par cette coopération continue et mieux adaptée, Haïti se remettra plus forte, plus résiliente et engagera confiante sa marche assurée vers le développement et le progrès. Je salue ici tous les compatriotes haïtiens à travers le monde, qui, tout en restant attachés à leur pays natal, sont obligés de chercher d'autres cieux plus cléments pour gagner leur vie. Tout le monde reconnaît qu'ils sont de rudes travailleurs. Je veux leur dire, partout où ils se trouvent, que le Conseil présidentiel de transition et le gouvernement pensent à eux en attendant que les conditions soient réunies pour qu'ils reviennent au bercail. J'en profite pour saluer Amnesty International et d'autres organismes opérants dans le domaine de la défense des droits humains qui suivent de près les violations des droits des migrants haïtiens à travers le monde. Je me permets, au nom du peuple haïtien, de saluer fraternellement tous les amis d'Haïti qui ont fait preuve de solidarité envers les migrants de notre pays, en particulier ceux résidant à Springfield dans l'Ohio aux États-Unis. La longue histoire d'amitié et de solidarité réciproque entre nos deux nations, depuis notre participation à la bataille de Savannah en 1779, nous permet de dire avec confiance que le peuple américain rejette toute incitation à la haine contre notre communauté. La participation active des immigrés haïtiens à différents niveaux de la vie des États-Unis est tangible et significative. À cet égard, les passions qui émergent naturellement lors d'une campagne électorale ne devraient en aucun cas servir de prétexte à la xénophobie ou au racisme dans un pays tel que les États-Unis, une nation forgée par des immigrants de toutes origines et qui s'est érigée en modèle de démocratie à l'échelle mondiale. Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs, le thème de cette 79e Assemblée générale, ne laisser personne de côté, agir ensemble pour la paix, le développement durable et la dignité humaine des générations présentes et futures, résonne profondément avec les défis majeurs auxquels le monde est confronté aujourd'hui. Ce thème est un appel urgent à l'unité et à la coopération internationale dans un contexte où les inégalités, les conflits et la crise climatique exacerbe la vulnérabilité de millions de personnes à travers le globe. Alors que de nombreuses nations peinent à atteindre les objectifs de développement durable, il est plus que jamais nécessaire de garantir que toutes les voix, en particulier celles des plus marginalisées, soient incluses dans les processus de décision mondiaux. Cette thématique revêt également une importance capitale dans le contexte de la crise actuelle en Haïti. Il incarne l'essence même de notre lutte
pour restaurer la paix et la stabilité, tout en assurant que chaque citoyen haïtien, chaque citoyenne, puisse jouir de ses droits fondamentaux.